On va faire tout simplement le bilan des 10 000 abonnés. Buenas tardes a todos, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Toi là qui me regarde derrière ton écran et qui vient d'arriver, grâce à cette vidéo là, le livre que tu reconnais sûrement de McFly et Carlito. Pourquoi McFly et Carlito doivent fit avec Lucas Brasier? 15 raisons valables, oh génial. D'ailleurs vous avez été des dizaines à me demander: mais Lucas, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce que t'as bien pu renfermer? Qu'est-ce qu'il y a dans les 500 autres pages? Je suis en train de réfléchir à comment révéler ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est un petit peu un mystère. Et du coup je me dis, on va le révéler en vidéo avec McFly et Carlito. Est-ce que je vous fais une vidéo explication avant? Donc voilà. En attendant, pour tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, à tous ceux qui se sont abonnés au compte Instagram @lucas.brasier, je vous ai souhaité la bienvenue par un message vocal. Ça a été assez long, je vous le cache pas, plus de 250 messages, ça m'a pris à peu près 3 heures, mais c'était un super moment, j'ai pu faire connaissance avec tout le monde. Donc si toi aussi t'as envie d'avoir ton petit message vocal personnalisé et qu'on fasse connaissance, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et je t'enverrai un message de bienvenue et de remerciement. Au niveau des nouvelles, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et vous l'avez vu récemment dans un short que j'ai pu publier, on a atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc je tenais tout d'abord à vous remercier. Merci à tous de vous être abonnés, je l'avais pas vu. C'est un rêve que j'ai depuis 2018. Quand je me suis lancé, je me suis dit: ouais Lucas, si un jour t'atteins les 10 000 abonnés sur YouTube, vu que c'était un passe-temps que je faisais à côté, ce serait vraiment comme atteindre les 100 000 abonnés ou le million quand t'es YouTuber. Sauf que depuis le temps, bah ça a évolué. Comme vous avez pu le voir, je passe beaucoup de temps sur YouTube. Pour tout vous dire, j'ai publié un peu plus de 850 vidéos et il y en a 650 qui sont actuellement disponibles sur la chaîne. Sachez qu'à partir de septembre, je serai à plein temps sur YouTube. C'est pour ça que je vous donne une date qui est importante de retenir par rapport à la chaîne. C'est que le 19 septembre, donc le lundi 19 septembre, je serai à plein temps officiellement sur YouTube. Il y a évidemment de gros concepts qui sont à venir, mais une des promesses également que j'avais fait en 2018-2019 quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai toujours dit que si je ratais mes études et que si vous aussi vous ratiez vos études, on irait élever ensemble des chèvres dans le Larzac. Et comme il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de cette blague, qui me disaient: ouais Lucas, quand c'est qu'on va élever des chèvres dans le Larzac? Comme je l'ai dit dans la vidéo de Lucas Studio. Et aux 10 000 abonnés, j'organise un voyage dans le Larzac. Ce sera un voyage où les abonnés ont la possibilité de venir. Je l'organiserai pendant l'été 2023, vu qu'on a atteint les 10 000 abonnés pendant l'été 2022. Pour y participer, on a encore le temps de voir comment ça se passera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que été 2023, je vais tenir ma promesse, je vais organiser un voyage dans le Larzac et j'en ferai un vlog que je publierai sur la chaîne YouTube. La deuxième private joke que vous connaissez peut-être pas encore, c'est qu'on boit tous de la cristalline. C'est pour ça qu'il y a toujours une bouteille d'eau cristalline dans le décor. Et d'ailleurs, c'est peut-être une idée pour le palier des 100K. Je prépare plein de choses dans l'ombre, donc vraiment, soyez patients, attendez 6 semaines à peu près. Et il y a également la vidéo avec McFly et Carlito qui va se préparer, je pense, à la rentrée de septembre. On n'a pas eu encore de retour avec Clément, mais bon, comme c'est l'été, c'est les vacances, c'est normal, ils prennent du bon temps. Et je pense que fin août, début septembre, quand ils vont se remettre dans le bain, ils vont se dire: ah oui, c'est vrai, on a dit à deux inconnus qu'on allait faire un feat avec eux, donc ils vont nous recontacter. Et là, on aura peut-être le choix du format, peut-être il sera déjà imposé. J'aimerais tellement personnellement que ce soit un concours d'anecdotes qu'on fasse avec eux, parce que personnellement, j'ai plein d'anecdotes. Vous l'avez peut-être vu dans ma personnalité, je suis assez déterminé dans ce que je fais, donc c'est pour ça qu'en 2019 je m'étais dit: oui, je veux publier une vidéo par jour sur YouTube, et que j'en ai publié 418. En 2020, je me suis dit: j'ai envie d'écrire un livre, bah, j'ai publié deux livres en maison d'édition. Enfin, vous voyez, je m'amuse toujours à me mettre des challenges de plus en plus importants, et c'est vrai que celui de réussir à contacter McFly et Carlito et d'avoir un feat avec eux, c'est un rêve d'un côté, parce que c'est des gens que je suis depuis plusieurs années, comme je le disais dans le livre. J'ai souscrit à un abonnement en 2016, bravo à toi. Donc ça fait 6 ans que je les suis, c'est des gens que j'apprécie fortement, donc ça va être génial comme feat. Et également, je m'étais dit: si j'arrive à faire cette vidéo avec eux, mais waouh, ça va être génial, on va pouvoir bah du coup voir un peu l'envers du décor de comment ça se passe un tournage de McFly et Carlito. C'est des gens qui ont l'air super cool et je pense que ça peut donner une vidéo qui va être géniale, donc c'est pour ça que j'ai vraiment très très hâte de voir comment ça va se passer. Vous l'avez vu d'ailleurs, je tourne dans un nouveau cadre, donc il y a les livres de ce côté là vous avez derrière moi le poster avec les chèvres du Larzac qu'on va aller élever parce qu'on a passé le palier des 10 000 abonnés, la quatrième de couverture de mon livre et le logo qui est également dans mon dos. En tout cas, je vous remercie d'être maintenant plus de 10 000 à être abonné à la chaîne YouTube. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Et pour te montrer un petit peu un ordre de grandeur, voici quelques images de ce que ça représente 10 000 personnes. Le samedi 23 juillet 2022, on a atteint le cap des 10 000 abonnés. Je ne sais pas quand on atteindra le cap des 100 000 abonnés, mais j'ai eu une idée de défi en rapport avec l'univers de la chaîne. Comme je vous l'ai dit, il y a deux private jokes avec les gens qui sont abonnés à la chaîne. Les chèvres du Larzac qu'on va aller élever si jamais on rate tous nos études. Et il y a également les bouteilles cristallines qu'on boit, parce que nous on est des gens bien, on boit de la cristalline. Alors je sais pas si ça va prendre 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans d'atteindre les 100 000 abonnés, mais il y a une chose qui est sûre: le défi que je me suis fixé, il va être difficile, ça va me demander du travail, de la persévérance et de la négociation, mais si jamais j'arrive à le mettre en place, ça sera quelque chose d'assez fou. Je sais pas si vous suivez Twitch, mais peut-être qu'il y en a qui avaient vu que sur les canettes de Red Bull, pendant une certaine période, il y avait Gotaga qui avait sa tête sur les canettes de Red Bull parce qu'il avait fait un partenariat avec eux. Est-ce que tu commences à voir où je veux en venir? Le jour où on atteindra les 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et vous savez que je fais toujours tout pour essayer d'arriver au bout de mes objectifs, pour avoir un partenariat avec Cristalline et avoir soit ma tête, soit une chèvre ou quelque chose en rapport avec la chaîne sur tout simplement les bandeaux bleus Cristalline que vous pouvez voir sur les bouteilles. Ça peut paraître un peu absurde, décalé, vous pouvez peut-être ne pas comprendre tout de suite, mais vous verrez
préférée, la cristalline, c'est sacré. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. J'espère que vous êtes chaud et quand le feat avec McFly et Carlito va arriver, vous serez fired. Si vous avez des idées d'happening pour la vidéo avec McFly et Carlito, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. On lira toutes les réponses et on répondra à tout le monde. Et n'oubliez pas que si vous voulez suivre l'envers du décor, allez follow le compte Instagram lucas.brasier. C'est tout pour la vidéo des 10 000 abonnés. Encore merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.